L'association des Amis de la cathédrale de Luçon que préside Dominique Souchet vient de faire l'acquisition d'un tableau représentant le portrait de l'évêque Henri de Barillon, qui fut nommé évêque de Luçon en 1671. Dominique Souchet nous retrace cette histoire assez extraordinaire. Alors un beau jour de décembre de l'année dernière, un conservateur d'Angers découvre sur un catalogue de vente en ligne à Clermont-Ferrand la vente d'un tableau, d'un très beau tableau du XVIIe siècle qui représente un grand évêque de Luçon, un très grand évêque de Luçon, beaucoup trop méconnu, qui a été évêque pendant le siècle de Louis XIV, qui a été évêque pendant pratiquement 30 ans. Et ce tableau de Robert Nanteuil et de son atelier porte une mention Henri de Barillon, évêque de Luçon. Donc le secrétaire de l'association fait une proposition. Et puis, voilà, c'était le numéro 63 de la liste. Les lots passent les uns après les autres. Les prix montent pour des portraits du 18e. On devient très inquiet. Arrive notre lot. Et puis finalement, notre offre est retenue et nous devenons instantanément propriétaires de ce magnifique tableau qui arrive à Luçon. On le découvre, on n'est pas déçu du tout. C'est un tableau magnifique, un portrait très fin avec un très beau visage d'où émane une grande bonté, un regard très clair, très, très limpide. On appelle le grand restaurateur Patrick Buty qui confirme notre jugement. Bien sûr, il y aura du travail à faire pour la restauration, mais on tient là véritablement un portrait qui était inconnu et qui est exceptionnel. Et cet évêque a véritablement marqué l'histoire de Luçon. C'est lui qui fonde véritablement l'hôpital de Luçon. Il crée, il demande à Louis XIV de créer par lettre patente l'hôpital général de Luçon, l'hôtel Dieu de Luçon. On lui doit la création de la congrégation de l'Union chrétienne, très novatrice puisque c'est une congrégation qui est destinée à l'éducation des filles, parfois négligée par certaines familles et à laquelle Mgr de Barillon attache une très grande importance. Désormais, ce tableau va être restauré pour devenir ensuite l'une des pièces du trésor de la cathédrale. Ce tableau a besoin d'une restauration importante. Nous avons d'excellents restaurateurs de tableaux en Vendée. Il va donc être restauré en Vendée et financé par l'association, le département et l'État. Et il est appelé à figurer naturellement au cœur du futur trésor de la cathédrale. Les Luçonnais devraient ainsi pouvoir découvrir cette acquisition dans le courant de cette année 2020.